Comme président, vous serez plutôt Gilbert Facchinetti, qui a donné tout son argent au club avec les résultats qu'on connaît, ou plutôt Alain Pedretti, un connaisseur mais magouilleur, ou Silvio Berlusconi, qui a donné aussi beaucoup d'argent mais on espérait peut-être trop en retour, ou alors Boulat Tchagaïev, sans foi ni loi. Alors, je serai Christian Bangli avec le cœur de Gilbert Facchinetti. La seule différence, c'est que je ne serai pas un mécène, mais plutôt un rassembleur. J'ai la chance d'avoir autour de moi cette richesse, je dirais, de réseau qui nous permettra de rassembler les gens. Je pense que c'est ça, notre grande richesse. Silvio Berlusconi versera encore de l'argent. Alors, Silvio Berlusconi, à part le connaître comme président, je n'ai eu à ce jour aucun contact. La porte est ouverte s'il veut venir nous donner quelque chose ou rien venir discuter. J'admire quand même ce qu'il a fait pendant plusieurs années. Donner de sa fortune personnelle, c'est pas évident quand on voit comment on est soumis à la critique. Pour moi, la porte est ouverte, j'apprécierais s'il venait. Comment avez-vous vécu le cauchemar Tchagaïev? C'était beaucoup de tribunaux, beaucoup de larmes, comme on le voit ici avec Stéphane Bell, et surtout beaucoup de gâchis. C'est une période que j'aimerais absolument plus du tout parler puis oublier. Pour moi, c'est le renouveau. Je veux même plus en parler de ça. On le voit derrière. Et j'ai même pas envie de le regarder. Vous allez beaucoup travailler avec Gilbert Facchinetti? Alors, je vais surtout beaucoup travailler avec la fondation, avec Alexandré. C'est important, la fondation, c'est le pilier du club. Avec Gilbert Facchinetti, parce que pour moi, c'est la personne mythique de Xamax, puis qui va nous ouvrir des portes pour rassembler les gens. Vous le connaissiez, Gilbert? Oui, je le connais. Oui, je le connais bien, Gilbert. Mais il était aussi surpris quand il a su que j'étais président. Il pensait surtout pas, mais je le connais bien. C'est vrai, il vous a dit quoi? Il est venu vers moi, puis il m'a fait deux becs, mais il m'a dit merci. C'est pas lui qui est venu vous chercher, en fait. Non, c'est Michel Favre. On retrouve les sourires, la Oui, fondation. c'est extraordinaire. Ça c'est la base de la formation aussi vis-à-vis de l'ASF. Et pour moi, de remonter une première équipe, ça permettra à ces jeunes d'avoir un but, d'un jour de pouvoir se dire je joue en première. Et c'est important. D'un côté la formation, de l'autre côté la première équipe. On doit faire l'un avec l'autre. La dernière question, quand est-ce qu'on aura un trophée à Neuchâtel, comme on le voit ici, porté par Obradovic à Sion? Pour moi, le premier trophée, c'est déjà de trouver de l'argent pour recommencer quelque chose. Mais on va peut-être commencer quelque chose de très modeste. Et si on pouvait déjà être en première ligue promotionnelle, ça serait le plus beau cadeau qu'on pourrait faire aux Neuchâtelois. Puis revivre des buts comme ça, comme celui de Tréhan contre Saint-Gall. Oui, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais je pense qu'on mérite pour l'instant d'avoir une équipe en première ligue promotionnelle, voire peut-être un jour une Challenge League. Je ne sais pas si dans notre contexte économique, si on peut se permettre d'aller en Super League. Ou alors il faudrait fusionner. Je ne suis pas du tout pour une fusion, mais vous les fusionnez avec quoi? Pour l'instant, Xamax n'existe pas. Vous les confusionnez avec du vent, c'est impossible de parler de fusion. Par contre, on doit redonner l'envie aux spectateurs de venir à la Maladière voir les couleurs rouge et noir.